Excellences, Monsieur le ministre, les ministres d'État, aujourd'hui c'est un autre jour où toute la Guinée attendait. C'est le moment de vous féliciter. La première des choses, dans cette salle, il y avait des gens qui ne se regardaient même pas. C'est les mêmes personnes aujourd'hui qui sont là. J'ai regardé depuis en bas jusqu'en haut. Il se dit bonjour. C'est vous, Monsieur le Président. Il y avait même des sages qui sont là qui ne pouvaient même pas se serrer la main. Donc votre venue n'a pas été saluée fortuitement. Ça veut dire rien ne ferait sans le temps. C'est le temps qui joue sur le temps. Mais Monsieur le Président, j'ai dit devant le ministre qui nous avons réuni l'autre fois, si l'île nationale a gagné, on le remercie. Les élections qui doivent se passer doivent commencer à la base. Parce que je répète la même chose que j'ai dit l'autre fois. Il y a de ces partis ici qui se sentent forts, qui se sont implantés à la base jusqu'au sommet. En allant aujourd'hui aux élections tout à l'heure, vous avez dit que le CNRD ne fait pas partie dans les élections, ni communales, ni présidentielles, ni tant d'autres, donc il faut commencer à la base. Et le ministère, nous avons confiance, tous les pays limitrophes qui se trouvent dans nos pays aujourd'hui, il n'y a pas de CENI, il n'y a pas d'autres organisations. Pourquoi toutes ces organisations qu'on est en train de dire, il y a des gens qui sont derrière les fichiers. On se connaît ici. Je n'aime pas indiquer les noms. Mais ce qu'on doit faire, vous avez dit que la refondation de l'État, le peuple vous suit et le peuple est en observation. Il faut mettre l'audit en place. Que chaque Guinéen répond de son bien ou bien de son mal. Même si on doit le pardonner, on va se regarder. Vous avez déjà organisé le pardon. En voyant les deux anciens présidents venir, l'autre de la France, l'autre de l'autre côté, de Burkina, il fallait voir aujourd'hui que ces gens-là ont été accueillis. Monsieur le Président, moi je ne vais pas aller très loin. Mais vos ministres que vous avez mis aujourd'hui, aucun document ne fait 72 heures sans être donné une solution. Parce qu'une fois que vous déposez un document, si c'est juridique, le juriste va voir. Si c'est économique, l'économie va voir. Mais soyez rassurés que la transition n'est pas seulement politique. Il est politique, économique et civil. Parce que c'est toute la Guinée qui se retrouve dans cette transition. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'institution. Mais dans la même salle ici, on dit qu'il y a d'autres organisations en formation. Personne n'est en formation. Si vous dites tout à l'heure, entre nous ici, allez-y vous revoir pour trouver un président. Il faut nous attendre. Dès 10 ans, vous n'allez pas trouver un président. Donc, ce que je suis en train de dire, je ne vais pas aller loin. Parce que j'ai eu 3 minutes où j'ai dépassé près de 3 minutes. J'ai fait 1 minute et demie. Monsieur le Président, il faut ouvrir la porte. Manikal koko tolo kunadi le sini kun kunadi kun. Wole ki siya. Ouvrez la porte, vous avez beaucoup à entendre et vous avez beaucoup à observer. Félicitations à ton gouvernement et je vous remercie. Vous avez beaucoup fait.